Hop. Alors, c'est quoi ça? Allez, vas-y. 1952, 1er février. Allez. Tu peux le faire. Allez. Pourquoi il veut pas se déclencher le souvenir? Ah, ça y est. Je vais aller vérifier par là-bas. Bon, je suis en Ça y tenue de est, docteur, hein. par ici. Oula. D'accord, donc j'ai l'impression d'être revenu pendant un court instant à cette période-là. En espérant qu'il m'attrape pas. J'aime pas ce bruit. William Bates. Je vais essayer de m'approcher. Bon, y a rien. Essayer d'aller en face. Peut-être par là il faut aller. On va déjà voir ce qu'il y a là-dedans. Putain, j'ai cru que c'était quelqu'un quoi, la lampe. Non, Christopher, pas du tout. Enfin, c'est comme tous les jours, mais c'est pas le lieu pour en parler, je pense. Hop. Alors, pam 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 pam. Cheminée, tout va bien. Peut-être le livre? Non? C'est quoi? C'est un cadre? Même pas. Il réagit même pas avec. Faut que j'arrête de me tromper avec cette touche. C'est dommage que les déplacements du jeu soient aussi foireux, quoi. Vraiment, c'est pas tip top. Ah, un souvenir. Non? Bonjour chers auditeurs, nous sommes le 26 février et c'est une journée magnifique. La tempête du siècle a fait ses valises et s'est envolée pour d'autres latitudes. À tous ceux qu'elle a surpris, vous pouvez sortir de vos igloos, belter les congères et reprendre l'autoroute ou les chemins de traverse. Et si on commençait en mettant d'essence dans le moteur? Ok. Bon, je me sens plutôt confiant quand il y a de l'espace comme ça. Ça va. Je me dis, c'est bon, je peux courir un peu partout, j'ai de la place. Joli tapis. C'est moi. Ah, je m'appelle Abe. L'exode d'Abe. Ok. Je suis le docteur Abe. Enchanté, moi. Autant, c'est peut-être pas moi hein, qu'elle a appelé comme ça, mais. Autant, je vis peut-être les souvenirs de quelqu'un d'autre. À savoir. C'est bizarre tout ça. Ceci est entièrement bizarre. On va essayer de voir pour prendre l'ascenseur. Il y a marqué quelque chose sur le cadre. Je voulais savoir comment il s'appelait le vieux du début. Attends, je fais ça avec la manette, en poussant la manette vers l'avant. C'est assez rigolo, quoi. Oh, c'est bon d'appuyer sur un bouton. Oui. Ouais, bah si. Des souvenirs que je devrais avoir. Il faut bien que je me rappelle un jour de ce qui s'est passé dans cet asile. Et pourquoi je suis enfermé? Pourquoi?
Bon. Ah, il se passe quoi là? Tac. Voilà. Ok, on descend. C'est cool. Ok, c'est par là. Donc là, c'est là où on était au tout début de l'histoire, en fait. Où le mec m'a emmené en fauteuil roulant. D'accord, donc c'est la chambre de traitement. Pas faux, mais avoir des souvenirs d'un autre mec, c'est... Ah ouais, non, c'est sûr, c'est dérangeant. C'est dérangeant, mais je pense pas, je pense que c'est mes souvenirs. Je pense que je suis un docteur qui a été enfermé là. Et pour je ne sais quelle raison. Apparemment, le docteur, il a essayé de s'enfuir. Ils l'ont chopé, ils l'ont récupéré pour le foutre en asile. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Oh, ce couloir en VR, c'est excellent, quoi. Il s'est passé quoi là? C'est un corps, ça. Ah ouais. Ah. Ok. Je sens que ça va commencer à chier là. Ça fait depuis un moment qu'il s'est rien passé. Oh, le long couloir de la mort, quoi. Ce couloir de la mort. En plus, je peux même pas courir. Y a quelque chose là? On va y vérifier. Non, il y a l'air de rien avoir. Je sais pas si c'est un bon coup quoi. Et yo mec, ça va ou quoi? Yo Faroun. Ah, ça. Bon pour l'instant c'est calme. Tu arrives dans le moment calme. Écoute, on marche toujours dans le couloir de la mort, on va dire. Ça va? Tu perds pas trop sur DBZ? Il va falloir que j'y joue après aussi, quoi. Je m'y remette un peu. Mais on n'est pas revenu au même endroit? Si, on est revenu au même endroit, mais qu'est-ce que j'ai branlé, quoi? Comment j'ai fait pour me tourner comme ça, quoi? C'est important, il m'avait semblé être allé tout droit quand même. Fais voir. Ah non, c'est ça, j'ai dû me tourner malencontreusement. Bizarre, quoi. C'est super bizarre. Ah non, mais les bots en arcade cherchent pas, c'est la mort. Ils sont super chauds, quoi, c'est tendu, quoi. Ouais, c'est normal, le temps que tu t'y fasses, quoi. Mais après, je trouve que le jeu, il répond de suite à tes mains, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? À peine tu as le jeu en main, à peine t'arrives à faire des trucs de fou, tu disparais, tu réapparais. Enfin, moi, je sais que je kiffe pour ça, le jeu. C'est parce qu'il est vraiment facile d'accès, quoi. Je pousse la porte. Pousse, pousse. Bon, il veut pas, je crois qu'il y a le chariot qui m'empêche de passer. C'est pas grave. On va aller à la salle des traitements, là où on était au début du jeu. Donc c'est là où j'étais enfermé. Alors, je sais pas pourquoi je sens que la porte va se fermer derrière moi. Ah ouais, la maîtrise, c'est autre chose. La maîtrise, tu prends méga cher, quoi. Mais surtout en plus en multi les mecs ils doivent charcler, mais j'ai même pas voulu essayer, je me suis pris une rouste en bêta sur la bêta du jeu, j'ai dit allez hop, même pas j'essaye. Ok, on va aller voir le dossier. Ah, c'est peut-être mon dossier à moi ça. Ouais, par exemple, ouais. Exactement, quoi, comme les Marsules. Les Marsules. Les Marvel versus Capcom. Ah, putain. Les Marsupulami vs Capcom.
Non, non, mais ouais, effectivement, quoi. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi avoir choisi ce délire-là de d'avoir trois personnages à la fois, alors qu'un personnage aurait très bien suffi. Mais je pense que c'est pour faire durer les combats un peu plus longtemps, quoi. Parce que c'est vrai que sinon, ça part tarpin vite, quoi. Les Marufules. Marufules versus Capcom. Alors. Okay. Bon, je suis assez content, pour l'instant je marche, il se passe rien. J'aurais dû fermer ma gueule. Oui, non, c'est sûr, tu peux faire beaucoup plus de choses, quoi. Dans ce jeu, il y a beaucoup de représentations de cerfs. Je sais pas quel rapport ça a. Qu'est-ce que représente le cerf en termes de symbolisme? Oh non, t'inquiète, y a pas de souci, y a aucun problème. De toute façon, je le suis. C'est ça qui vient avec le jeu, c'est que pour le coup, graphiquement, il est très très bien fait. Il est vraiment à la hauteur d'un Resident Evil 7, quoi. C'est quoi? C'est une fausse barbe? Ah non, c'est un masque à la Hannibal. Ouh! Ok, super. Alors par hasard, est-ce que ça serait pas moi, justement, ce fameux personnage? C'est pas possible parce que je suis habillé en docteur. Ça peut pas être moi. En fait, pour t'expliquer vite fait, Fred, le délire du jeu, c'est le symbole du Christ. Ah! Ce qui expliquerait pas mal de choses sur le gameplay. Ce qui expliquerait le délire. Comment ça se fait que ça forme un truc de cerf? C'est assez bizarre, quoi. Bref. Ouais, parce qu'en fait, depuis le début du jeu, tu te retrouves dans cet asile, mais tu sais pas pourquoi, comment. Et les seules visions que tu arrives à avoir, les flashs que tu as, tu te retrouves en habit de docteur. Et puis il se passe des choses, en fait. Donc c'est assez gênant, quoi. Tu sais pas trop ce que tu fous là. Alors est-ce que tu es un docteur qui a voulu sauver un patient ou... Je sais pas. Après, il y a aussi le fait qu'apparemment, il y a un patient. Oula, il y a un patient qui s'est évadé et qui a poussé des sortes de cris, des cris de bête. Donc, est-ce que il y a des patients possédés? Est-ce que l'histoire est une histoire religieuse? Comme tu dis que du coup, c'est un rapport avec peut-être le Christ ou quoi? Le symbole de Dieu, ça serait peut-être logique. Et puis souvent les cas de possession sont très très proches des cas d'exorcisme et ce genre de choses-là. Ah! Putain, salaud, hein! Je fais partie des patients. D'accord. Je voulais juste m'assurer que vous n'étiez pas l'une de ces choses. Je voulais pas vous effrayer, mais je gardais un œil sur vous. Une de ces choses. Merde! C'est l'un d'eux, il n'est pas loin. Il y a quelqu'un là d'où vous venez. Ils sont tous morts. Merde, tous? C'est qui tous? Les infirmières, les médecins, tout le monde. Ah ouais, la mécanique de la parole, elle est excellente. Mais il faut pas trop que je parle quand il y a des PNJ parce que ça peut induire en erreur et il peut se passer des choses. Donc je me tais un peu là. Waouh. Mieux vaut prévenir
Apparemment, c'est cassé aussi en haut. Heureusement que je suis là. L'endroit commençait à ressembler à une ville fantôme. Quoi, c'est encore des cadavres, ça? Vas-y, passe devant. Ok, super. Je crois que c'est bon. Pour l'instant, en tout cas. David, je travaille ici. Ouais, je pense qu'il va crever, ouais. C'est clair. Vous êtes là depuis quand? Des semaines, des mois, peut-être. Ouais, certains patients savent même pas quelle journée. Mais il n'y a personne avec vous. Tout le monde a déjà décampé. Vous avez énervé quelqu'un? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cet endroit refoule la pourriture à plein nez. Depuis qu'ils ont amené ces mineurs, ils étaient censés guérir. Bordel. Guérir. J'aurais pas choisi ce mot. Qu'est-ce qui s'est passé? À dire, mais les mineurs ont changé et ils sont devenus enragés, comme possédés, comme ah, s'ils étaient devenus de vrais monstres. D'accord. J'ai jamais rien vu de tel. J'aimerais pouvoir oublier tout ça. Il faut qu'on avance. Il y a d'autres survivants pas loin d'ici. Venez. C'est pas la première fois que j'entends parler des mineurs, quoi. Il a dû se passer un truc dans la mine. Alors, est-ce que c'est un cas de possession? Est-ce qu'ils sont tombés sur... genre peut-être des parasites ou un truc à la Resident Evil? Ça pourrait être sympa. Mais est-ce que lui, justement, il cherche pas à me... Très bien, suivez-moi. C'est assez bizarre, quoi. Parce que depuis le début, il n'y a plus personne, et puis d'un coup, il n'y a plus que lui. On est presque au bureau de Bragg. Je trouve ça louche, quand même. Hein. Le fait qu'il soit tout seul comme ça... Ah zut, cette touche. Il y a une touche pour se retourner, quoi, direct. Tout le monde s'est réfugié avec Faut que je me trompe. J'y serais bien allé, mais... Vous connaissez Bragg? Il y a toujours un truc avec lui. Il a dû rentrer, et Suzanne et moi, on l'escorte. Ouais, peut-être qu'ils ont déterré une tombe ou un truc comme ça. Je suis venu jeter un coup d'œil. C'est pas improbable, ouais, qu'ils aient déterré un truc... Hôtel et sanatorium, donc ça c'est l'endroit où je suis. Alors c'est bien parce que c'est la première représentation que je vois de l'extérieur en fait. D'accord. Parlant ma ville. Ok. Cherche parce que parfois ça peut donner, je pense, des éléments sur ce qui se passe. Ok. Bon, bah allez go alors, en avant. En tout cas, c'est ce que je disais quand j'ai commencé le jeu. Il y a l'aliasing, mais enfin, c'est très peu, très très peu. Le graphiquement, c'est très, c'est vraiment bien fait, quoi. En fait, on était au-dessus tout à l'heure là. Ouais. Depuis l'incident. Mais je les entends encore. Surtout dehors. Enfin, je crois que c'est eux. Ça me donne des frissons. Ça marche, mec, pas de soucis. Tu verras, franchement, niveau immersion, t'es dedans, quoi. T'es vraiment dedans. Après, ce que je regrette un peu, c'est que c'est pas le comment ça s'appelle, vu que c'est un hôpital psychiatrique, t'as pas beaucoup de détails en fait. C'est très au niveau des couleurs et compagnie, c'est très monotone et t'as pas beaucoup de détails en fait de journaux que tu peux lire ou de trucs comme ça, tu vois.
C'est un peu dommage, c'est ce que je regrette. Tu vois, par exemple, dans Resident Evil, j'étais vraiment à me pencher partout, à regarder sous les tables et tout. Là, c'est vrai que, à part marcher, regarder un peu en l'air ou quoi, y a pas grand-chose vraiment à regarder, quoi. C'est t'avances et tu fais attention à ce qui se passe, quoi. Tu vois, genre Resident Evil, je me serais peut-être approché pour regarder ce qui a marqué sur les flacons ou quoi. Là, je sais que je pourrais pas arriver à lire, quoi. Mais après, en tout cas, ça se sent que c'est la patte des mecs de Until Dawn, quoi. Je vais le laisser passer. En général, il y a toujours quelque chose de démoniaque ou quoi. Ou des tueurs en série ou des trucs comme ça, quoi. Faudrait que je termine le premier Until Dawn, quoi. Je l'avais commencé et je l'ai jamais terminé comme un abruti, quoi. C'était pas dans la bonne période. Et des fois, tu vois, voilà, il y a des couloirs comme ça où tu te retrouves dedans et tu dis oula, tu vois, ça pue quand même du cul, quoi. C'est. J'y vais pas. Ah là, il y a peut-être quelque chose là. Ouais, à patrouiller, aucun intervalle dans les 2 heures. Ok. Oh, GG level 19. Bragg était pas vraiment content que quelqu'un ait appelé les flics. Il avait sûrement peur qu'ils se mettent à renifler un truc louche. Ben ouais, je comprends pas pourquoi le mec il a pas voulu, quoi. Ah voilà, j'étais en train de me dire, je peux ouvrir la porte ou pas? Ah, un rétroprojecteur. Ah, mais ça, c'est la fameuse salle où j'étais enfermé aussi au début, quoi. Il y a la quête de classe, j'avoue, quoi. Allez, on va voir si on peut utiliser ça. Ok, c'est quoi ça? C'est un mec qui a taché. Je pense que c'est un mec à qui on fait subir des électrochocs, je crois. Ah d'accord, il est en train de se détacher. J'en avais entendu parler. Oh chaud! C'était quelqu'un de bien. Vous ne méritez pas ça. Oh putain, pourquoi je sens qu'il y en a un dans la pièce? Putain, ça m'aurait fait serrer qu'il y en ait un qui soit là d'un coup, quoi. D'accord, donc on part bien sur un cas de possession, hein, ou un truc comme ça. Ça se sent. Ça se sent grave. Pour que le mec il commence à se détacher, à grimper contre les parois et tout là. J'espère que la police désinguera tous les putains de mineurs qu'elle verra. Je sais pas si la police pourra y faire grand-chose, mais on peut espérer. On peut, ouais. Une arme à feu bien placée et fait toujours du bien, quoi. Oh, cette porte dérobée là. Ah! Ok. Nous y voilà, le chef en personne. Oui, c'est David, je peux entrer? Entrez. Entrez. Ah, mais ça doit être le docteur du début, non? Qui m'a ausculté, c'est ça. On est bien Monsieur Bragg, d'accord. Suzanne, quelqu'un a besoin d'une escorte. Content de vous voir en un seul morceau. Moi aussi. On pensait que vous. Que. Ah Vous aviez subi le même sort que les autres.
Si vous vouliez me laisser mourir? Oui, et pour ça, les remords ne seront jamais suffisants. Mais vous devez comprendre que je ne voulais pas faire le mal. Cet incident nous a tous pris de court. C'est un peu tard pour s'en apercevoir, Brack. Assez. Je peux pas refermer la porte, mec. Comment vous rappeler votre place dans tout ça? Je sais que c'est difficile, mais pourriez-vous me dire si d'autres souvenirs ont refait surface? Quelques petits éléments. Ne vous en faites pas. Vous retrouverez la mémoire avec le temps. Mais bon, tout ça n'a plus vraiment d'importance. À toutes. Je n'aurais pas dû revenir. Désolé. Je croyais pouvoir redresser la barre. À toutes. Mais la situation est... Oui, ciao. Monsieur Bragg, vous en avez vu d'autres. Vous nous sortirez de là, je le sais. Suzanne, ma petite, j'admire votre optimisme, mais il est mal placé. La situation est bien trop grave pour être cachée. Je suis fini. Non, monsieur Bragg. Bon, on va aller jusqu'à la chapelle. La tempête s'est calmée et la police... Ouais. Arrive. À la chapelle. Il est en PLS, le pauvre. Allez-y, allez. Je reste là. On ne va pas vous laisser. C'est dangereux. Allez. Vous savez qu'on doit tous y aller. Tout le monde, Bragg inclus. Oui, il doit venir avec nous. Stop. Ça suffit. Cet endroit m'appartient. Et je lui appartiens. Et maintenant, partez d'ici. Monsieur Bragg. Suzanne, stop. Venez. Il a fait son choix. Non. Non. On doit s'en aller tant qu'on le peut encore. Ah, voilà. Ça, c'est un bon, ça. Le mec, il va rester là, il va se saouler la gueule. Oui, il a pas l'air très clean, lui. Hein. Gordon. Attention à votre passion. La bonne information au mauvais moment peut tout réduire à néant. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais n'oubliez pas qui est vraiment responsable de tout ça. Et j'avoue, ça ralentira les créatures, clairement, quoi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans la pièce qui pourrait peut-être me donner un élément? Donc ça, ça a l'air d'être l'établissement. Pas de livre, rien à récupérer. Un gros je crois avoir été parfaitement clair. Oui, tu as été clair, c'est bon, je me casse. Partez d'ici maintenant et laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Allez, go. On se casse. Allez, go à la chapelle, tous ensemble. À mon avis, ça va commencer à envoyer, quoi. Bennett, attendez. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Bonjour, mademoiselle. Je vous suis. Attendez! Attendez-moi, mademoiselle. Pourquoi Bragg ne voudrait-il pas venir avec nous? Il a construit cet endroit. Vous seriez parti, vous, à sa place. Ben ça va, regarde. Comme tu peux le voir, on s'amuse beaucoup. Écoute, pour l'instant, ça va, Magic. C'est tranquille. Déjà, salut à toi. Et ouais, effectivement, le jeu est un jeu typé ambiance, horreur, quoi. Donc, c'est... voilà, quoi. C'est assez immersif, assez bien fait. Et l'histoire est assez accrocheuse pour te faire continuer à jouer, quoi. Voilà. Par rapport à tous les autres jeux VR qui valent bien plus cher, The Impatient, et pour moi, il fait partie du top 5 des jeux VR, sincèrement. En termes d'immersion. Après, en termes de gameplay, bon, on va pas en parler parce qu'il y a pas grand chose à faire. Mais c'est sympa quand les PNJ te parlent et que tu dois leur répondre avec le vocal. C'est vraiment excellent, ça, par contre. C'est très immersif. J'ai pas eu le temps de voir ton dernier message, Fred. Tu peux me le renvoyer, s'il te plaît?
Tu vois mes pieds. Donc, il y a des créatures qui sont... enfin, des créatures des anciens mineurs. Qui se sont échappés, on va dire ça comme ça, du centre hospitalier. Et qui sont des sortes de démons. Qui peuvent marcher sur les murs et tout. Donc, c'est assez bizarre. Très, très bizarre. Ok, pas de soucis, mec. Bon visionnage à toi. Par contre, attention à toi, si tu veux pas te spoiler, je dois en être quasiment à la fin. J'ai fait une première partie hier. Donc voilà, si jamais tu veux la regarder tranquille, elle est disponible. Attendez, on sait pas ce qui se passe. Bah, il y avait rien dehors avant. Allons-y, chacun son tour. Rappelez-vous ce que disait Ted. Si l'une de ces choses arrive, ne bougez pas un sourcil. Rappelez-vous ce que disait Ted. Manger salade, jamais malade. Le truc qui sert à rien. J'y vais d'abord. Oh le fou. Gordon. Adieu Gordon. À demain. Attendez. Il va se faire choper. Ça va, tout va bien. Ben ouais, il est passé, nickel. Ok, à mon tour. Oh, il va prendre cher. Allez, c'est parti, fais-toi plaisir. Je sens qu'il va prendre cher. Je pense que Fred, t'as raison. Je pense que c'est lui qui va prendre. David David. Tu sais, j'ai bien aimé comme elle s'est retournée, genre, ta gueule. Cours, David, cours. Et comme il se chie dessus. Et tu peux le faire. Wouh! Ah, ça va, il est passé. Vous ou moi? Vous. Ah, ben toi, je préfère que tu y ailles, toi. C'est pas que je suis peureux, mais... C'est que je préférerais que tu y ailles, toi, d'abord, non? Non? Bon. Les femmes d'abord? D'accord. Ah, eh ben voilà. Allez, les femmes d'abord. Vas-y. Je pense que tu peux le faire. Comment elle s'appelle déjà? Suzanne, c'est ça? Eh les gars, il y a la meuf qui arrive! Ah, à mon avis, je pense que c'est moi qui vais prendre cher. LOL. Non, Suzanne, bouge pas. Oh putain. Oh mon dieu. Suzanne. Non. What? Pouf. Le prochain, c'est moi, c'est ça? Bon, eh ben c'était cool. Je vais rentrer à la maison. Vite, cours. Il n'y a pas de bouton pour courir. Ah, je marche pieds nus dans la neige. Pourquoi c'est pas David qui a pris? C'est Nantes. Putain, je peux pas courir. Ouais, il lui a fait des câlins. Je pense qu'il a envoyé de l'autre côté pour pouvoir lui faire des choses en toute discrétion. Oh! Bonjour mon père. Bonjour mon fils. Hey! Ça va? Alors, je peux passer? On aurait pu, Eva.
Ah merde, c'est pas grave. Tu la regarderas en replay. J'ai fait un signe de croix avant de rentrer. On sait jamais. Jésus revient. Elle pourrait toujours être en vie. Mon père, arrêtez. C'est pas le moment. Et Bragg, où est-il? Bragg, il ne voulait rien savoir. Il voulait une place au premier rang pour le grand final. Ah, je vois. Eh bien, si Bragg s'était décidé, vous savez, rien au monde n'aurait pu le faire changer d'avis. Père Ted Mosley, content de voir quelqu'un encore en vie. J'ai enchanté. Croire qu'elle soit morte. Elle y était presque. Non, elle y était pas presque, arrête. Plus aucune chance. Content de vous voir ici. Tout le monde n'a pas une autre chance aujourd'hui. La mythologie dont je vous ai parlé, l'histoire de ces choses, je ne savais pas à quel point c'était réel. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas un virus. C'est un cas de possession. D'autres survivants sont toujours barricadés dans les bureaux. Ils pensent encore que c'est une infection. Ils n'ont pas idée de ce qu'ils affrontent. Ils affrontent le malin. Mais bordel, pourquoi Suzanne? Pourquoi? J'arrive pas à croire qu'elles sont mortes. C'était soit elle, soit moi. Je sais qu'elle comptait beaucoup pour vous. C'était quelqu'un de bien. J'étais si inquiet. Inquiet pour chacun d'entre vous. Oh, ça va, arrête. Bragg, que ce genre de choses pourrait arriver. J'avais dit qu'il y avait quelque chose dans la montagne. Un esprit malin, puissant. Mais il n'écoutait pas. Wow. Un esprit maléfique? C'est comme ce qui est arrivé aux mineurs. Ce qu'ils ont dû faire pour survivre. Quand j'étais missionnaire et que je passais du temps avec les natifs, on me racontait ces histoires qui semblaient tellement vraies. Mais à l'époque, bien sûr, je n'écoutais que ma propre foi. Pour moi, le reste n'était que de la superstition. Du folklore de feu de camp, sans fondement. Continuez. Il parlait de monstres qui prenaient possession de vous. Des monstres qui se nourrissaient de chair humaine. Insatiables, avides, affamés. Il disait que le seul moyen d'échapper aux créatures, c'était de rester immobile. Mais qu'à part ça, il n'y avait aucun moyen de s'en défendre. Il les appelait Wendigo. Ah, d'accord. Je ne croyais pas à leur existence. Jusqu'à maintenant. Je vous conseille à tous de prendre du repos tant que vous le pouvez. Pardon, vous voulez bien m'excuser un moment? Je t'en prie. Tout seul. Bon. Alors lui, il se casse tout seul. Lui, il se casse tout seul. Lui, il est en PLS. Et moi, je fais quoi? Boum, 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 boum. Je suis censé faire quoi, moi, du coup? Lui, il va prier. Putain, j'y crois pas. Oh, les gars, on fait quoi? C'est personne? Une idée? Non? Bon. Je propose. On fait une partie de cartes. Quelqu'un un Scrabble? J'ai besoin de prendre un peu de temps. Me reposer avant l'arrivée de la police. Mais seul? Tout seul? Tu veux rester seul? Wendigo. Je peux prier? Hop. En tout cas, c'est très silencieux. Je vais essayer d'aller parler à mon ami. Salut! Je crois que j'ai envie d'être seul. Je me sens pas bien. C'est pas possible. Il me faut du repos. Et vous devriez en faire autant. Ah ben ouais, je vais aller poser mon cul là-bas. Là où ça brille. Là où ça brille, je vais poser mon cul. Alors pas trop près des portes. Genre là, ça serait très bien. Hop. Je m'assois. Alors je vais essayer de m'asseoir aussi en même temps. Si c'est possible. Aïe, je vais essayer de m'asseoir sur le canapé. Hop, ça y est, je suis assis sur mon canapé. Vous entendez? Ah,
Il m'a remis debout. Attends, alors du coup, il faut que je me relève. Ah, ce jeu, quoi. Un coup, il me fait asseoir, un coup, il me fait mettre debout, quoi. Il y a quelqu'un qui tape à la porte. Ouh! Ça, c'est les flics, ça. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Stop. Ah oui, capitaine de police. Mais bordel, tirez dans la foule. Vous êtes devenu cinglé. Vous voulez bien m'aider un peu? J'arrive. Putain, il a dit ça sur un ton, mais tellement calme. J'ai la manette au-dessus de ma tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lui tirer dans la tête? Mon Dieu, pardon. Non! Regarde, mec! Regarde ce qu'il a fait! Oh, t'es sérieux? T'es sérieux, on s'est fait tirer dessus! Et ouais, les mecs, ils cherchent pas à comprendre, là. Les mecs, ils éliminent tout le monde, quoi. Je pense que j'aurais fait pareil, moi aussi. J'ai une arme, le premier qui passe, je l'allume. Même pas, je cherche. Survivant, pas survivant. Allez, boum. Allez, allez, continuez. Avancez. Putain, qu'est-ce qui vient de se passer? Stop. Attendez. Super. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils nous ont vu aller par là. Ils doivent nous suivre de près. David, aidez-moi avec la porte. Ouais. Allez. Allez. Qu'est-ce qui se passe là? Je vois rien, je suis aveugle. Hey. Hey. Coucou. Comment vous sentez? Ça va, je suis assis dans un fauteuil. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Essayons déjà de rester calme. Vous avez failli prendre une balle dans la tête. Vous avez chuté et votre crâne a subi un choc. Ça va aller. Faut continuer. Pas le temps. Tout le monde peut pas suivre votre rythme, Gordon. Pourquoi est-ce qu'ils ouvriraient le feu comme ça? La police a vu le mineur, ce qu'il est devenu. Et elle a réagi. Réagi? Ces gens sont morts. Vous parlez d'une putain de réaction. Je pense qu'il faut qu'on se calme tous. Réfléchissons. Vous entendez? Qu'est-ce que c'est? On devrait peut-être faire demi-tour, non? La police nous a peut-être pas suivis. On pourrait courir vers la porte de la chapelle. On ne devrait pas y retourner. La police sait qu'on a vu ce qu'elle a fait. Ça fait de nous des témoins. Il faut qu'on sorte d'ici. Ce tunnel mène à l'hôtel et de là, on quitte la montagne. Ça va aller pour marcher? Je suis pas docteur, mais je vais l'examiner. Ouais, examine-moi. Mais tu me touches pas le kiki. Attention! Oh! Ne te mets pas à genoux devant moi, surtout pas! C'est peut-être une commotion. Ouais, je pense que c'est sûrement une commotion, moi aussi. Une commotion des jambes. Ferme. J'essaye de réfléchir. Vous n'entendez vraiment pas toutes ces voix? Gordon, il n'y a pas de voix. Et lui, je l'ai senti. Elle s'arrête pas! Vous devriez vous détendre. Hey, lâchez-moi. Boum. C'est quoi votre problème? Lui, je le sens tangent, lui, depuis le début. Il est trop en colère, quoi, depuis tout à l'heure. Je pense qu'il va nous la faire à l'envers, il va se transformer. Nous ne pouvons plus rester ici. Vous pouvez bouger? Aidez-moi! Allez! Je savais que vous en étiez capable. Allons-y. C'est parti! C'est quoi qui fait. Bon, allez, vite, on trace. On reste pas là. Et le passage souterrain est excellent, quoi. Niveau immersion, là, je suis dedans, quoi. On dirait qu'ils abandonnent avec la porte. Mais ils trouveront vite un autre moyen d'entrer. On doit partir! Je rigole depuis tout à l'heure, mais franchement, je suis dans l'histoire là. Je me sentirais bien mieux quand je serai ailleurs. David, je
Vous pensez que Suzanne va bien? Ah! Il se passe quoi? Ça me fait rigoler à chaque fois. La tempête s'est calmée, on va prendre le téléphérique. Victor verrouille la plupart des pièces pour l'hiver. Je doute que Victor soit en vie. Victor connaît cet endroit comme sa poche. Si quelqu'un peut s'en tirer, c'est lui. C'est bien Victor. Qui se sait? Victor? C'est vous? Non. Ok, calmons-nous. Il faut continuer. Je te vois pas, en fait. Hein. Victor a réussi à entasser tout le bazar de l'hôtel ici pour l'hiver. Quelle organisation. La propreté est proche de la sainteté. C'est un bel exemple. Il faut rester concentré. Alors, des fois, je fais semblant de marcher chez moi. Parce que ça me lève vite fait le mal au cœur, en fait. Des fois, quand je tourne trop vite avec la caméra, j'ai mal au cœur. Donc, c'est vraiment très léger. Mais je le fais exprès pour que mon cerveau, il se dise « Ah non, mais tu marches bien, là. » Parce que c'est vrai que des fois, le cerveau, avec le casque VR, il comprend pas pourquoi tu ne marches pas et pourquoi le personnage, oui. Tu vois, c'est assez... C'est déplaisant, des fois. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Je vous préviens. Bragg ne supporte pas ce genre de journal. Je vous conseille de faire attention. Ah, bonne tour. Bonne tour. Oh. Oh. Ça m'a fait rire son expression de feu, là. C'était quoi? C'était un chinois ou un apache? Allez, go. J'aime bien son visage et bien fait au prêtre. Je trouve assez bien expressif. Allez, go. On monte par la rampe en handicapé. C'est un signe. Mais pourquoi se faire chier à prendre des escaliers, quoi? On s'économise niveau énergie. Où est-ce qu'on est? Loin du téléphérique. Allez! On va prendre l'ascenseur plus loin pour monter. C'était quoi? Je ne sais pas. Dans la première partie du jeu, il y avait quand même beaucoup plus de jumpscares. Là, c'est vraiment de l'ambiance, en fait. On dirait plus que le jeu même aimerait se transformer en jeu d'action après, quoi. Action-aventure, en fait. Ted, pardon de vous avoir poussé, je sais pas ce qui m'a pris. Il faut qu'on reste ensemble. Il est louche, le docteur. Franchement, il est super louche. Va falloir que je vous enferme. Laisse tomber, le mec, je l'aurais déjà poussé dans une cellule, je l'aurais enfermé, quoi. Je le sens, mais tellement de là qu'il va nous enfler. Ce n'est pas loin. Aïe, je me suis pris ma chaise. C'est ça le bonheur de la VR, quand tu joues dans un petit appart. C'est que tu sais pas ce que tu vas te prendre. Soit la chaise, soit le canapé, soit la table basse. Tu sais pas. J'arrive. Oh, que c'est dur les escaliers alors. Ce papier peint dégueulasse. Je ne sais pas qui a fait la déco chez vous, mais c'est ignoble.
Attends que je lui mets pas une gifle. Ah, pas loin, Nefora. C'est pas loin. Ah, pardon. Je disais que... Ok. 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 Je suis là. On peut y aller. Il faut que vous alliez à l'ascenseur. On partira quand tout le monde sera à l'intérieur. J'ai pas entendu. On va se taire. On va y aller doucement. Je suis là. On peut y aller. C'est moi ou je vois quelqu'un derrière là-bas? Il faut qu'on sorte d'ici. Ouh! Vite, 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 vite! Wow! Putain! Oh non! Oh non! David! C'est pas moi. David, non! Je vais pas y arriver. Tenez bon. On y est presque. On y est presque. C'est pas grave, ça va aller. On y est presque. Respire par le nez, David. Respire par le nez. Eh oui. Oh, la tête qu'il a. On dirait déjà un démon, le mec. Il est mort comme un caca. J'avoue, quoi. C'est abusé. On dirait qu'une balle a atterri dedans. Dans quoi? Dans David? Effectivement, c'est bien le cas. Et merde. Quoi encore? Je sais ce qu'il ressent cette grille. Ils reviennent pour finir le travail. Ah, on descend? Bon, je pense que David, il est en PLS, hein, il va crever. Il se passe quoi, là? D'accord, je me suis retrouvé d'un coup contre le truc. The Flash Moon. C'est juste une petite blessure. Ouais, ouais, t'as vu? Il est encore mort de rire, le mec. Gardez tous votre calme. Ça ne sert à rien de paniquer. Oula. C'est quoi, c'est une... c'est une porte à la Dark Soul. Y'a quoi, y'a le boss après, ou comment ça se passe? Trouvez. Oh putain! Non, 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 reculez! Lâchez-moi! Sainte-Marie, mère de Dieu! Oh. Eh, mais c'est pas la police, ça, ça! On sorte d'ici! C'est clairement pas la police, mon pote. Hein. Bon, mais ok, c'est parti. Où on va? Ah là 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 là. On dirait mongolien qui appuie. Ouais, effectivement, on dirait le KGB. J'ai pensé aux Russes, mais cash. C'est le bonnet, en fait, qui m'a fait penser cash, ça, quoi. Mais c'est excellent parce que avec le petit grain qu'il y a sur les comment ça s'appelle, les lentilles du casque, avec la fumée, mais ça rendait trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Bando. Eh, hey, c'est Cho. Victor. C'est Cho du mentaliste, mec. Pour le téléphérique. Si on ne s'enfuit pas maintenant, ils vont tous nous exécuter jusqu'au dernier. Regarde. Ça doit être une erreur. Vous pouvez ouvrir la porte de votre côté? Je crois, oui. Ah, Bando, tu peux aider l'honorable voyageur que je suis? Ça va, toi? Je te dis, c'est chaud. Dépêchez-vous! Il s'est reconverti, j'avoue. Et moi, je peux rien faire de plus. Qu'est-ce que... Salut, chaud. Je sais pas ce qu'il fait, quoi. Bon, on fait quoi? Ah, non! Ah, vite! Appuie, 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 appuie! Non! Ne bouge plus! Mais qui est con? Ah! Boum! Bon! Ce passage éclair de Cho! Ah, ce passage éclair de l'acteur, quoi, mais.
Oh, c'était pitoyable. Ah, c'était trop bon. Touk. Il y a beaucoup de fois où t'es obligé de recadrer l'image. J'avoue. Exactement. Allez, fais pas ta chouchotte. Et regarde le mec en plus où il lui met la main. Il lui met la main sur la balle. Genre ça va, vous avez pas mal là. Oh bordel. Oh bordel. Regardez, je me répands. Je me répands. Ça veut dire quoi ça? Allez bon, encore un peu. Allez. Lui, il bouge plus du tout, lui. Adieu. Oh, c'est mort. C'est bon, je crois qu'il est mort, hein. On peut y aller. Ça sert à rien de s'en occuper. On aurait dû éviter ça. Et vous le savez très bien. Qui est moi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ma foi, il est pas bien, lui, hein. Ok. Mec, il m'accuse de trucs, j'ai rien fait du tout, moi. Bon, allez, go. J'aime beaucoup le reflet sur ses lunettes quand je passe ma lampe devant, quoi. Je trouve ça très réaliste. Je peux passer là? Navré, je ne peux pas vous laisser quitter cette montagne. Ah. Ah oui, putain, surtout avec les yeux blancs qu'il a. J'imagine bien. Jamais dû suivre Bragg. On savait qu'on ouvrait la boîte de Pandore. Allez, je m'occupe du téléphérique. Éloignez-vous de moi aussi loin que possible. Dans la cabine. Mais attends, j'ai encore des trucs à voir. Ils sont tous docteurs, mais aucun a du matériel. Mais après, un docteur, voilà quoi, c'est question, c'est pas un mécano qui a sa boîte à outils, quoi. Un docteur, à part des stylos dans sa veste, qu'est-ce que tu veux qu'il ait sur lui, quoi? C'est... voilà, quoi. Le mec, il est docteur, il va pas se balader... Il va pas se balader avec un sac à dos. Hein. Merci, et bonne chance. L'enculé. Les choix que j'ai fait. Mais croyez-moi, je monterais dans cette cabine si j'étais vous. Avant qu'il soit trop tard. Ok, c'est parti. Merci, au revoir. Oui, j'y vais. Je saurai m'en souvenir, c'est promis. Bon, c'est bon, on peut y aller? C'est, j'allais dire, qu'est-ce qu'on fait? On s'encule? On fait quoi, là? Ah, il y a un truc qui brille, là. Qu'est-ce que c'est? Oui, je t'ai vu. Tu as regardé le machin qui brille. Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est? Oh, un souvenir. Souvenir. Ah! Content de voir que tout le monde est parti. Même les journalistes prétentieux. Pas un seul mot sur moi où il n'y a pas d'accord. Ok. Bon, l'ascenseur est par là. Merci, Cho. À la prochaine. Bon, mais du coup. Ah, je suis pieds nus. Ah, attends, il faudrait que je me rassoie. Il est où mon canapé? Il est là. Bennett, allez. Hop, je recentre. On peut plus attendre. Ça, c'est super, tu vois, niveau immersion. Je suis assis sur mon canapé. Et franchement, c'est vraiment comme si j'y étais, là. Vous avez le sang de David sur les mains. Quoi? Ça vous hantera toute votre vie. Mais jamais de la vie. L'immersion est vraiment très très cool, là. J'ai l'impression d'y être, là. En plus, vu que je chauffe jamais chez moi, je me gèle vraiment les coucougnettes. Donc je suis immergé jusqu'au bout. C'est pas vrai, tu peux le sauver? Allez, hein. Ah merde.
Mais je l'ai fait pour toi. Ah, je savais pas. D'accord, d'accord. D'accord, ok. Mais j'ai pas vu comment j'aurais pu le sauver. Hein. Peut-être en appuyant correctement sur le bouton ou quoi. Ah, ou peut-être en faisant pas de bruit. C'est ça. Peut-être en faisant aucun bruit. Oh, attends, il faut que je me relève maintenant. Ah, pling. Ouais, ouais, ne dis rien. Ne dis rien, on en parlera à la fin. Je sais pas si je suis loin de la fin du jeu, là. Je pense pas, hein, mais bon. Attends. J'ai fini le jeu, là ? Tu te fous de ma gueule ? Non, attends. Tu te fous de ma gueule, là. J'ai terminé le jeu. Oh, comme j'ai les glandes. Voilà, alors vous voyez, ça, ce que vous êtes en train de voir actuellement, ce que je ressens, c'est exactement, mais ce que je ressens à chaque fois que je termine un jeu VR. C'est triste à dire, mais tous les jeux VR se terminent bêtement comme ça. C'est genre des démos techniques. Franchement, ça me fout la rage. Parce que j'ai l'impression que... Mais vraiment, que les jeux sont pas terminés. C'est une honte, quoi. Alors le pire, c'est que je suis habillé en docteur, en plus. Enfin, je trouve ça dégueulasse, quoi. De finir le jeu comme ça. Bon, ok, super. Attends, je vais mettre ça. On va voir s'il y a quelque chose après la fin. On va aller jusqu'au bout. Mais ouais, en tout cas, c'est comme ça que se terminent majoritairement les jeux VR, quoi. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. Parce que là, ça y est, j'étais en plein dedans. Ça commençait à monter en puissance. Et boum. À moins qu'il y ait quelque chose qui se passe à la fin, peut-être une scène en plus ou quoi. Mais... Après, je veux dire, là, ça fait quand même cher un peu le film interactif. Hein. Ils auraient pu quand même développer un peu plus l'intrigue et le scénario, surtout sur la fin, quoi. Parce qu'au final, on te fait monter un scénar, et puis... Ouais, mais j'ai l'impression qu'en fait, tous leurs jeux sont reliés. J'ai l'impression que Until Dawn est relié à Rush of Blood et inversement aussi, quoi. Bon, après, le moteur du jeu est très bon, hein. C'est... Voilà, Unreal Engine, y'a rien à redire. Non, après, voilà, ouais, en termes d'immersion avec le casque et tout, le jeu est nickel, quoi. Mais tous les jeux VR pêchent par leur manque de scénario et de finalité, quoi. C'est une honte. T'as l'impression de faire des démos techniques. Pourtant, tu vois, tu te prends peut-être, entre 4 à 7 heures de jeu, des fois, voire plus. Mais t'as l'impression d'assister à une démo technique, quoi, un jeu pas fini. Tu sais au moins tuer un Wendigo ? Bah, j'en sais rien, comment tu tues un Wendigo ? C'est quoi ? C'est avec de l'argent, non ? Genre comme un loup-garou, à la limite. Un truc comme ça. Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien, quoi. Je suppose. Si tu m'as pris pour Van Helsing ou quoi. Mec, il a cru que je savais tuer toutes les créatures de la fantasy. Remerciements spéciaux. Eh ben alors là, il y a même plus de musique, il y a plus rien du tout. C'est genre, vas-y, démerde-toi, quoi. Ça, c'est parce que je me suis moqué de Cho, de Victor. Alors du coup, le jeu me punit. Ah mais non, ne me spoil pas, ouais. Ne me dis rien.
Faut que tu demandes à Sam et Dean Winchester. Ça, c'est les mecs de Supernatural, ça. Il faudrait que je regarde la série en entière. J'avais regardé quand j'étais plus jeune, je sais plus, c'était la trilogie du samedi soir ou une connerie comme ça, là. J'avais commencé à regarder pas mal, et puis après, je crois que je m'en étais arrêté quand il y a leur père qui revient, ou je sais pas quoi. Mais y en a qui me disaient qu'à la fin, t'as carrément les cavaliers de l'apocalypse et tout, quoi. Bon, là, on est là jusqu'à ce soir. Ah! C'est bon, je suis arrivé à passer. Ah! Ah! Regardez-moi. Je suis quelqu'un de raisonnable. Alors parlons franchement. Vous dites que vous avez vu toutes sortes de choses terribles dans la montagne. Mais moi, je dis que vous avez pénétré par effraction dans un institut de bonne réputation. Qui de nous deux est le plus crédible ? Je veux juste rentrer chez moi. Oui, bien sûr, vous serez bientôt libre. J'ai juste besoin de m'assurer que vous n'allez pas faire une bêtise comme... publier une histoire farfelue sur les événements dont vous croyez avoir été témoin. Exactement. Je sais tout sur vous. Votre éditeur est très inquiet. Même si j'aimerais beaucoup vous voir disparaître, je suis dans une situation inconfortable. Et je n'aime pas vraiment ça. Alors, quelle histoire allons-nous raconter à cet éditeur, hein ? Je ne dirai rien. Voilà, raisonnable, tout comme moi. Allez, je vous raccompagne. N'oubliez pas, je vous ai à l'œil. Oh ! Putain ! Oh, oh, je crains. Bon. Alors, j'imagine que on a l'effet papillon et qu'on peut sûrement... Interrogatoire, l'infirmière, traversée mortelle... D'accord, donc ça, c'est les endroits que j'aurais pu faire changer sûrement, quoi. Eh oui, parce que l'infirmière aussi, du coup, j'aurais pu peut-être la sauver, en fait. En fait, tout le monde est mort avec moi, quoi. Ok, fais voir à la limite l'interrogatoire à la fin. C'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. D'accord, sans m'inculper. Ok. J'ai soutenu Suzanne. S'en est mieux pour avoir convaincu Braque de partir. Ok. Vous n'avez pas bougé dans la cour. T'as été soulagé, vous atteignez la chapelle en vie. D'accord. Vous avez été honnête avec David. Vous avez gagné la confiance de David. Bon, chouette. J'ai résisté à la tentation. Vous avez enlevé Benet de votre chambre. On a enlevé Benet de votre chambre. D'accord, tu vois, j'ai pas compris pourquoi. Ah, mais il m'en manque un, là, non ? Il m'en manque un, bizarre. C'est quoi, les souvenirs ? C'est les petites cinématiques, je suppose ? Ah non, c'est ce que j'ai trouvé, C'est ce que j'ai trouvé, je pense, au fur et à mesure, quoi. Ah, il y en a que j'ai pas trouvé de souvenirs, tu vois ? D'accord. Et admettons que je fasse ça pour voir ce qui se passe à la fin, sur l'interrogatoire. Ah, je peux pas le rejouer. Bon, eh ben écoute. Ouais, ben écoute, ça sera plus vers ce soir, mec. Hein. De toute façon, je te tiens au courant, je te le dis, quoi. Voilà. Bon, ben écoutez, c'était sympathique, mais je suis très déçu de la fin. Parce qu'au final, comment ça s'appelle ? On a un jeu qui est pas fini. Ça me dégoûte. J'aurais aimé en savoir plus sur le scénario, qui est vraiment une finalité, vraiment une explication sur ce qui s'est passé. Et au final, on n'en a pas. Et c'est vraiment un coup de gueule à là que je pousse, parce que ça me gonfle. J'ai acheté, on m'a acheté Robinson The Journey. Et pareil, même chose. Tu te frappes un scénario qui est quand même un peu assez long.
pour au final pas avoir de finalité, juste un truc basique. La majorité des jeux VR sont comme ça. Voilà. Mais bon, enfin bref, il n'empêche que ce jeu fait partie quand même de mon top 5 des jeux VR Sony. Voilà. Bon, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Merci aux nouveaux qui sont passés ce soir. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis on va essayer de vivre avec ça. Hein, voilà. Allez, salut. Ciao, ciao.